avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Pardon ? Non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais... Qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Après, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît ? Alors. Je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors... Ma chère collègue, le bureau, alors, vous... Alors, je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Et comme nous avons un bureau dès cette semaine, dès ce mercredi, je pense que c'est l'organe pluraliste compétent pour pouvoir se prononcer sur ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement. Et nous nous retrouverons demain pour l'examen de la motion de censure à 15h30, ainsi qu'en a décidé la conférence des présidents. Il aura lieu mercredi, Madame la Présidente Panot. Mais je n'ai pas forcément tous les présidents de groupe ici, tous les membres du bureau. Je préfère que le bureau puisse se prononcer de façon complète et sereine sur cette question. La séance est suspendue.